regardé une parcelle qui était appétante pour les palombes. On a préparé la parcelle avec le propriétaire, qui est chasseur. On lui a balisé, on lui a demandé de faucher sur 6 mètres de large et 20 mètres de long. Et puis après, une fois que c'est prêt, on vient, on installe le piège. Les palombes apprécient le blé, et donc là on est vraiment au milieu d'un champ de blé là. Il faut de la technique parce qu'il faut que tout soit de niveau et que tout soit aligné, donc c'est... faut avoir la main quoi, voilà. À 3, 2 heures, ouais 2 heures, 2 heures et demie si tout va bien. Alors l'objectif c'est de pouvoir déterminer les différentes voies de migration et notamment chez nous, à savoir que les palombes commenceraient à se déplacer à partir de mi-août, les adultes. Et c'est, enfin, pour nous, c'est de déterminer l'appartenance éventuellement à une population un peu plus méditerranéenne. Le résultat est lié au nombre de retours de bagues. Donc plus on en bague, plus on a de chances d'avoir du retour. Oui, on est obligé de justifier le classement du pigeon ramier en espèce nuisible. On fait une étude depuis plus de 3 ans maintenant sur les populations d'oiseaux avec des comptages fixes, des comptages à l'aide d'un véhicule. Et puis maintenant, la troisième phase qu'on avait prévue, c'était faire du bagage. Plante pas trop rare. Ah on est, ça y est, vous avez bien avancé. Ça va ou pas? Salut. J'ai un autre nid là-bas. Ah, nous on a fait le premier à 3 mètres de haut là. Dans le chêne. Dans le chêne. J'en ai un dans les cyprès. Il est haut? Non. Bon, on va aller le voir. Pour être pile droit, il faudrait venir. En 3 heures, c'est opérationnel. Là, on va faire un essai avec le filet tendu en situation réelle, on va mettre la corde, on fait un essai, si ça fonctionne c'est bon, on laisse tout, on sécurise tout et demain on attrape. Là on est dans une base d'un ami chasseur, il a trouvé un nid de pigeons ramiers, on va essayer de voir s'il y a des petits et s'il y a possibilité de les baguer. On voit bien la palombe là sur la nuit. Ça c'est gros? Ouais, je pense que ça devrait aller.
Voilà, ouais, c'est des oiseaux qui arrivent en fait au mois de mars, avril, pour nicher ici et repartir. On a les adultes commencent à repartir à partir de mi-août, quoi. Voilà, et les jeunes restent un peu plus longtemps, mais le gros des troupes finit aussi par partir mi-septembre. Donc il y a une partie de plus en plus importante qui se sédentarise, hein, puisqu'on voit là lors des comptages qu'on réalise en hiver, eh bien, il y a de plus en plus d'oiseaux qui sont présents, notamment dans les zones un peu comme ça, urbaines à périurbaines. grammes. 701, 719. Droite, droite. Pile, longueur tête-bec. Tarse. 23 piles. Il n'y avait pas de référence en matière de mesures biométriques sur la palombe. Donc c'était l'occasion de récupérer des données et ainsi créer une banque de données et d'avoir des mesures. Le bagage avec la pente nous permet de baguer plutôt des oiseaux adultes, hein. Alors que là, le bagage au nid, c'est vrai qu'on est, on est surtout sur du jeune, forcément pas volant, quoi. L'enjeu, c'est de déterminer l'appartenance à une population plus sédentaire et plus méditerranéenne, pouvoir démontrer que c'est pas cette population transpyrénéenne qui est présente ici et que c'est bien une population plus locale et qui permettrait éventuellement de pouvoir réouvrir la chasse au mois de mars. Il y a deux poussins, mais ils ont 3 jours à peine, quoi, donc ils sont beaucoup trop petits pour être bagués. On repassera d'ici 10 jours, ils seront prêts. Là, on travaille à la fois pour la palombe et à la fois pour la fédération. C'est la mission, la partie scientifique qu'ont les techniciens de la fédération départementale des chasseurs. Alors, ben, dans l'Aude, c'est, ouais, en effet, hein, c'est juste à côté et eux, ils bénéficient d'un classement nuisible. Donc bon, c'est plus lié à la présence de dégâts puisqu'ils ont des grandes plaines céréalières, ce qui n'est pas forcément le cas dans les PO. Et c'est simplement en fait grâce à ça qu'ils bénéficient du classement nuisible.
32,5.